Chasse les gars, bravo. Celui de droite, il est quand même plus beau. Ils se sont croisés. Maintenant, c'est celui de gauche. Je l'ai trois quarts cul. Ça va pas tarder. Il est mort. Il est très beau. C'est un gros 4, il me semble. Il est venu chasser les autres. On a bien fait d'attendre. Merci Fabien. Il venait d'où celui-là? Il est venu en fait, de derrière le bosquet. Il a chargé les deux petits. Je pouvais pas tirer avec la maison là, au départ. Ouais, non, et je le l'avais pas bien. Ouais. Il est joli. Il est beau. Quand je l'ai vu arriver dans les jumelles, j'ai dit putain, c'est celui-là qu'il faut tirer. Bravo les gars. Super. Super le film. Ouais, c'est sympa. On connaît encore deux bons cars là. Bien tiré parce que là, mine de rien, il y a une centaine de mètres. Ouais, puis je laissais passer à la maison au départ. Ouais, t'as pas le choix. Ouais, et moi, j'ai attendu avant de le faire arrêter. Bravo, Jérôme. Bravo.
Ah, il est joli. Ah, il est beau. Ça fait une belle chasse. C'est de la fougère, mon père, je m'excuse. Ouais, c'est bon. Bon, merci bien. Beau tir. Merci beaucoup. Beau tir. Bon, bah, deuxième journée, deuxième partie de chasse. Il y a un joli brocard là pour Jérôme. Et qui est venu chasser deux brocards qu'on avait repérés un peu en amont là. Encore une fois, une belle scène de chasse. Donc, le séjour se démarre plutôt pas mal. C'est pas trop mal. Maintenant, il nous reste un peu de temps pour essayer d'aller trouver un second brocard pour Alex. Donc, on va s'y attacher. Vraiment un bel animal. On voit que c'est un beau brocard. Mais... un bel animal avec les meules bien en pente. Non, vraiment un joli. C'était le maître des lieux. Hein. Il est venu chasser les deux plus petits, là, qui étaient déjà jolis, mais à côté de celui-là, rien à voir. Ah, voilà. Ah, voilà.